Salut à tous, bienvenue sur la Assassin's Creed Experience, c'est Val, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va analyser le nouveau story trailer d'Assassin's Creed Mirage qui a été dévoilé pendant le Ubisoft Forward. Avant de commencer l'analyse, je propose qu'on se mate le trailer ensemble. Alors laissez-moi hop, régler tout ça et c'est parti. On regarde. What are you doing? Don't think. Fulath, tell Basim the story of the feather. Our tradition of the feather comes from Egypt. Ah, c'est tellement stylé. The feathers of the heron were dipped in the blood of the targets. The feathers forge our paths, remind us of who we are. Who we can be. The Order has held dominion over men and their empires for centuries. Strike quickly and end this. Swallow your questions, serve without complaint. Who is she to tell you when to strike? Everything you do serves the Hidden Ones. That is a strange kind of freedom. You are not the first to walk the shadows broken. Pour your pain into the Brotherhood. We are messengers of justice. And not the final judges. He knows not what he is. Have you not wondered at your nature? When the lines of blood are faded. Ok, ok, ok. Donc petit trailer vraiment, vraiment, vraiment stylé. Il est assez long quand même, 2 minutes... allez, on va dire 2 minutes 30. C'est quand même un petit aperçu de l'histoire qu'on aura dans Assassin's Creed Mirage. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il spoil pas. Le trailer, on apprend quelques trucs, mais c'est pas non plus du méga spoil, je pense que la surprise est vraiment gardée pour tout le scénario. Donc, je vous propose qu'on analyse tout ça tranquillou. Alors, déjà là, ce qu'on peut voir, c'est un aperçu de Bagdad, on voit vraiment la courbure de la ville, parce que Bagdad, c'est une ville qui va être circulaire, en quelque sorte. Je sais pas si on peut voir les différents quartiers, parce qu'en tout, il y en aura 4. Il y aura 4 quartiers dans la ville de Bagdad, hein, comme à l'époque, elle était séparée en 4. On peut voir que c'est assez grand à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, c'est pas la ville de Bagdad, c'est pas qu'un cercle, elle s'étend aussi autour. Au loin, on peut voir des zones un peu désertiques, avec un peu d'eau. Et chose qui est intéressante d'ailleurs, c'est que dans la démo de gameplay, d'ailleurs on a fait une vidéo analyse et commentée de ce gameplay, on a vu qu'il y avait pas mal d'eau. En fait, Bagdad, historiquement, c'est une ville qui était irriguée par le Tigre, je crois. On voit quand même que c'est très dense. Il y a pas mal de petits PNJ ici, par là. Donc il y a quand même de la vie. Ça a l'air d'être plutôt bien fait. Et, petit détail qui n'est pas anodin, au centre de la ville de Bagdad, il y a ce palais. Avec ce dôme vert. C'est le palais du calife de Bagdad, hein, donc de la dynastie des Abbasides, qui historiquement était bien au centre de la ville, et son dôme était réellement vert, bleu-vert, comme dans le jeu. C'est un petit détail, mais ça montre quand même le respect de la période historique et les recherches qui ont été effectuées sur celle-ci. Allez, je vous propose de poursuivre.
Donc là, on commence avec Basim, qui, de base, est un simple voleur. Voilà, donc ça, je pense que cette scène-là, elle se situe vraiment au tout début du jeu. Donc on joue Basim, qui est ici, hein, ce sera le héros principal de Assassin's Creed Mirage. Et il se fera repérer par Roshan, qui est son mentor. Donc c'est Roshan, ce personnage-là, et qui va donc l'entraîner au sein de la confrérie des Hidden Ones. On voit qu'elle est quand même aguerrie, hein, c'est un assassin qui a du... un certain, déjà, niveau dans la confrérie. Alors moi, je vais juste revenir en arrière quelques petites secondes. Ici, je trouve que les visages... Là. Moi, il y a un truc qui me dérange avec les visages dans Assassin's Creed Mirage. Alors, on sait que ça reprend le moteur graphique d'Assassin's Creed Valhalla. Mais, quand même, je les trouve un peu faux, un peu cireux. Alors, vous verrez, dans le trailer, c'est pas le cas de tous les plans. On sait que c'est du work in progress, d'accord, mais je pense que c'est un trailer histoire. Donc ils ont pas mis le jeu non plus dans sa plus moche version. Le jeu il est quand même assez stable dans ce qu'il montre là. Et moi ce qui me dérange surtout c'est les cheveux. Il y a des trucs un peu bizarres comme là, ici, enfin surtout là je trouve que c'est un peu bizarre, c'est pas vraiment... Il y a un truc qui va pas avec les visages, avec les cheveux dans Mirage. Et c'est pas le seul personnage qui... Enfin, en plus, c'est Basim. Mais vous verrez, c'est pas le seul qui pose un petit peu problème, je trouve. Donc là, on voit que Basim sait pas le faire le saut de la foi tout de suite. On commence vraiment en bas de l'échelle. Et il faudra s'intégrer dans la confrérie et progresser dedans. Pour pouvoir acquérir les compétences techniques. Alors ça, c'est super intéressant. On le reverra plus tard dans le trailer. Mais c'est en fait la représentation d'un Jnoun, ou un djinn, hein. En fait c'est des créatures mythologiques de la culture arabe. En fait ce sont des... alors ça peut être des esprits soit bénéfiques soit maléfiques, mais ils sont souvent considérés comme maléfiques, comme des malédictions. Et donc c'est ce personnage-là qui va hanter Basim. On sait que Basim est un personnage qui est hanté, si vous avez joué à Valhalla. Vous savez qu'il est possédé par Loki, hein, le dieu malicieux de la mythologie nordique. Là, ça va être adapté, évidemment, on verra pas Loki, on verra pas de dieu viking dans Mirage, mais ça sera adapté au contexte et au folklore, on va dire, de l'époque. Donc voilà. Ouais, alors je vous disais tout à l'heure, les visages et les expressions, enfin surtout les animations faciales, ça fait très... puis les cheveux, là aussi, ça bug un peu. Ça fait très très faux, quoi. Très plastique, très cireux. Je trouve qu'on... ça rend pas justice au personnage, à mon avis. Et pareil pour lui, hein. Alors ça, c'est un plan qui est super stylé. Donc ça, c'est une grosse référence à Assassin's Creed Origins, puisque c'est Bayek qui a commencé à se servir des plumes pour les imbiber du sang de leurs ennemis. Et aussi à Assassin's Creed 1, parce que dans Mirage, quand on assassinera un ennemi, enfin un membre de l'Ordre des Anciens, il faudra remettre la plume à Roshan ou à Fula, qui est le perso qu'on a vu juste avant, pour lui prouver qu'on a buté la cible. Là, la scène elle se situe dans une White Room, donc ça c'est forcément ce personnage-là, c'est un membre de l'Ordre des Anciens, parce que c'est une White Room. Donc une sorte de cinématique de confession du personnage qu'on vient de tuer. Là, ce qu'on peut voir, c'est à gauche, juste ici, la forteresse d'Alamut, qui est le berceau de la confrérie des assassins, qu'on verra dans Assassin's Creed Mirage. Et sous cette forteresse, qui est encore en construction, on la verra encore en construction, elle ne sera pas terminée, ou peut-être vers la fin du jeu, on ne sait pas, mais... sous cette forteresse, il y a un temple de la première civilisation, donc peut-être qu'on va en apprendre un peu plus sur le lore de la première civilisation, tout simplement. La Basim est en train de s'entraîner, donc ce sera au début du jeu, hein, à mon avis. Les 4 membres de l'Ordre des Anciens qu'on devra assassiner dans le jeu. Alors ça, c'est un personnage secondaire qui va être important, il s'agit de Nehal, si je me trompe pas.
qui est une amie d'enfance de Basim et qui traînait avec Basim dans les rues de Bagdad. En fait, c'était une de ses potes voleuses. Et elle semble être en désaccord avec ce qui est devenu ou ce qui est en train de devenir Basim par rapport aux Hidden Ones. Là, je pense qu'elle doit parler de Roshan, du coup, le mentor de Basim. Hop, deuxième personnage secondaire historique, pour le coup important dans Assassin's Creed Mirage, il s'agit de Ali ibn Muhammad, qui est en fait le leader de la rébellion Zanj. En fait, c'est une rébellion qui s'oppose au califat en place, et donc qui du coup va s'allier, je pense, aux Hidden Ones, donc à la confrérie, pour renverser le califat et les cibles qui sont probablement du coup à la tête de ce califat. Donc on devrait travailler main dans la main avec ce personnage. Ça, les plans, ils sont à tomber. Ce plan-là, surtout, il est à tomber par terre, je trouve. Il est hyper beau. Là, c'est Bassim qu'on reconnaît avec sa petite barbe. Là, c'est de Roshan. Et là, pour le coup, je ne sais pas. C'est peut-être Ali ibn Muhammad. Mais en tout cas, ils sont dans le désert. Enfin, il y a une belle tempête de sable. C'est super beau. Ça fait vraiment penser à Assassin's Creed Origins. Pour le coup, je trouve ça trop bien. Franchement, ça tue, quoi. C'est trop bien. Là, on voit que Bassim, il a quand même un petit peu vieilli par rapport aux cinématiques du début. Il est un petit peu plus vieux. On voit ses traits sont un petit peu plus tirés. Il y a la barbe et tout, donc. Peut-être que ce sera vers la fin du jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'elle dit, Roshan, tu n'es pas le premier à avoir été brisé. Donc on sent que vraiment, Basim, il y aura un aspect psychologique dans le jeu qui sera intéressant. Le fait qu'il soit hanté par les visions, qu'il soit en quête de réponses, qu'il ne sache pas qui il est, c'est en tout cas super intéressant. Ça a l'air vraiment d'être bien traité dans Mirage. Hop, donc là, Bassim qui a d'autres chevaux avec son ami Nehal, peut-être qu'il fuit quelque chose, peut-être qu'il cherche à fuir la ville de Bagdad. On ne sait pas. En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que l'histoire, elle sera vraiment intéressante, que les personnages secondaires seront intéressants et prenants. Et là, ce qu'on peut voir quand même, c'est que les persos, là, on voit vite fait Ali ibn Muhammad, les persos, ils sont à double tranchant, j'ai l'impression. Dans certaines scènes, ils sont très réussis, dans certaines scènes, ils sont un peu moins réussis. C'est assez bizarre, c'est comme si le jeu avait été fait avec deux. Enfin, le trailer avait été fait avec deux phases de jeu différentes. En tout cas, vraiment, j'espère que ça va être polish d'ici la sortie. Donc voilà, il ne sait pas qui il est. C'est vraiment. Basim sera terrifié, on le voit, il sera terrifié, hanté par ses visions. Et pour le coup, le choix de la musique du trailer, elle est pertinente, parce que ça fait sens. Parce que les paroles parlent de entre autres, un sentiment de perte d'identité. Donc c'est plutôt bien choisi pour le coup. Et voilà. Bah écoutez, c'était tout pour ce petit trailer histoire d'Assassin's Creed Mirage. J'espère que l'analyse vous aura plu. Si vous avez des petites questions ou des remarques ou des choses que vous avez vues que je n'ai pas vues, ce qui peut arriver, hein, je ne suis pas omniscient, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, il y a plein de vidéos qui arrivent sur Assassin's Creed Mirage et sur Assassin's Creed en général. Donc vous abonner, bah, c'est une bonne manière de nous soutenir et puis aussi c'est une bonne façon de ne rien louper sur l'univers Assassin's Creed. En plus de ça, si vous voulez vraiment être au top de l'actu et voilà interagir avec nous de manière un peu plus fréquente et régulière que sur YouTube, il y a notre compte Twitter. On poste très souvent dessus des petites infos qu'on ne traite pas forcément en vidéo. Donc le Twitter est là pour ça. Allez y jeter un petit œil et abonnez-vous. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Et puis on se retrouve très prochainement sur la Assassin's Creed Expérience pour d'autres vidéos. Salut à tous et portez-vous bien!